And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. J'ai trop hâte. Alors, je sais pas du tout s'il y aura Ruvik. Alors, difficulté détente, Néo, survie. Surveillez vos ressources, ça veut dire pas trop dépenser de munitions, c'est ça? On n'est pas dans la merde. Et cauchemar, recommandé. Non, c'est bon. Aide à la visée. Quoi? Les choisir. Oh, con, l'aide à la visée verrouillera automatiquement la mire sur les ennemis. Ouh! Allez, je le mets. Mais je me sens un petit peu nul quand même. Bon, s'en fout. Une maison ravagée par les flammes, mort d'une fillette et de sa nourrice. Donc apparemment, on va savoir plus par rapport à l'histoire de Pepito, alias Sébastien. Ça, c'est ma tête quand je suis contente. Essaye sans l'aide. Ah merde. Trop tard. Tant pis. Chapitre 1, les flammes du mal. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh putain, il a une petite chemise trop mignonne. Oh, Pépine. Toi? Mais t'as pas la même gueule qu'avant, dis donc. Et t'as l'air malade. Et jeune. Et t'as pas de barbe. Et t'as les yeux bizarres. Ouh, par contre, le jeu est méga fluide. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Oula, pardon. C'est pas le même doubleur aussi, non? Oula, y'a trop de choses qui changent. Trop de choses. Le son du jeu, c'est bon ou il faut que je vous le monte? N'hésitez pas à me le dire, hein, surtout pas. Hein. Yeah! Mais pète la vitre! Y'a une chaise là! Oui, voilà! Pépito! Oh non, elle est là-haut! C'était quoi ce bruit de souris là? Quelqu'un a marché sur ma fille? Eh, tu peux sauter là! Oh! Pépito, Pépito! Tu es un petit abricot! Il veut pas courir, hein! Je lui dis de courir, mais il veut pas. Oh, mais il y a une banane! Oh, mais c'est génial! Comment une telle chose a pu arriver? Donc, oui, c'est vrai qu'on apprenait dans le premier que Sébastien avait perdu sa fille. Et on savait pas trop comment. Et ça le rongeait un peu et tout. Et sa femme, par contre, je me rappelle plus ce qui s'était passé avec sa femme. Tiens bon. Je sais qu'elle était flic, comme lui. Ça, je me rappelle. Voilà. Plutôt que ça soit pas bon.
Là, je me demande si je n'ai pas un chouette pour monter. Elle est où? Contrôle gauche pour s'accroupir. Ouh, Pépito, tu as un sacré... croupillon. Lily! Oh, le jeu est beau, sa mère, quand même. Hein. Par contre, lui, il a une tête bizarre. Ça me choque un peu. Tu n'étais pas là pour moi, papa. Qui a marché sur ma fille. Elle va passer à travers mon corps. Ah non. Ah non, elle va me posséder. Non. C'était au choix. Oh, stylé! Oh, stylé! Ça va, le jeu est fluide chez vous? Ça rame pas? Tout va bien? Surtout, n'hésitez pas à me dire. On est devenu moche. Ah, là, on est déjà mieux. Oh! Oh, comme ça! On a un air de Keanu Reeves, un truc de fou! T'es qui, toi? Kidman? Ah oui, c'est Kidman. Bonjour, Sébastien. Ah, ils ont un peu changé de gueule entre-temps, quand même. 3 ans. Ça fait 3 putains d'années que je vous cherche. Ah si! Welcome! Welcome! Coucou, Sébastien. C'est ça? Et qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous ouais, saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. Et qui est devenu Ruvik? On aurait entendu ce con de psy qu'il m'a obligé à consulter. Parce que normalement, il était passé dans le corps du gamin, alors. Il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi. Vous allez tout me dire. À propos de Mobius. C'est pousser les cheveux. Ouais, mais je pas suis que. Là à cause de ça. C'est moi où la feuille était très moche. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Lily est toujours en vie. My fucking god! Mais il a la classe comme ça quand même. Lily est morte! J'ai lu le rapport d'enquête. On l'a enterrée. On peut réécrire l'histoire si ouais, on le désire. Simuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Enlève tes sales pattes. Il y a un air de The Last of Us. Ouais, un peu, ouais. Oh la connasse! J'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. Elle, par contre, elle a la même voix qu'avant, je crois. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. Sébastien, je sais pas s'il a la... si c'est le même doubleur qu'avant, mais en tout cas, il parle toujours avec la mâchoire serrée, c'est génial! C'est Matrix. Ouais, j'avoue, putain, il y a un air de Matrix. Coucou, Adravis. Sébastien, vous êtes réveillé. Bien. Ouais. C'est ça. Oh putain, c'est trop bien. Où est-ce qu'on est? Vous êtes dans une de nos installations. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Faites attention à ce que vous dites. Oh putain, c'est Outlast, attention! Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour le aider. Un trou. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries. Oh putain! Patience. Toutes les réponses sont juste. Oh, je crois que c'est le même doubleur en fait, c'est obligé. C'est juste que j'ai oublié la voix qu'il avait, mais c'est le même doubleur. L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contretemps malencontreux. Oh, le jeu est beau, putain! Mais nous avons utilisé ses connaissances qui pour me parle construire
un nouveau stème plus élaboré. Avec le symbole là qu'on voyait dans le Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? Elle sait, pardon. Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. En fait, je sais pourquoi il n'a pas la même tronche, il a vieilli, je crois. Fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Les salauds ! Vous avez connecté Lily à cette machine ? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée au noyau que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau stem a été... C'est vrai que, oui, elle travaillait pour Mobius, mais après elle travaillait plus avec eux. Jusqu'à peu. En plus, elle a niqué la gueule du mec. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. J'avoue, je suis perdu un peu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du stem a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique. Where is Ruvik? Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Il est où Ruvik? Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le stem ne répond plus. Il est où Ruvik? Réfléchissez, monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. J'ai des poils tellement soyeux. Pardon. Ou la laisser mourir. Le choix vous appartient. Le stem, c'était un espèce de truc pour entrer dans un espèce de monde parallèle, mais du cerveau, en fait. C'était... Enfin, si, je dis pas de conneries. Je l'explique peut-être très mal, mais je vois ce que je veux dire, mais je crois que je l'ai très mal expliqué. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne nous faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. Vous devez nous contacter dès que vous trouverez Lily, pour que nous puissions commencer l'extraction. Ah putain, on dirait un mec. Je serai là pour vous. Enfin, moi, pas lui. Oh, j'adore quand il parle avec la mâchoire, c'est... J'aime ce double-là. Mais oui, mais Kidman, oui, je comprends pas. Quelqu'un d'autre sera là à l'intérieur pour vous. What the fuck? Ruvik, viens me faire un câlin! Et ce mec, il ressemble pas grave au mec justement qu'on a buté dans le DLC? Avec elle? Parce que justement, peut-être que là, les événements se passent avant qu'on joue au DLC. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Entrez dans le stem dans 3, 2. Bah non, vu que le DLC se passait pendant 1. Le 1 de toute façon. Enfin, en même temps que le 1. Ouais, ça y est, je suis déjà perdu. Bethesda Software Presents! La prochaine fois, Bethesda, offrez-moi le jeu, putain! Vous êtes méchant, hein. Je le retiendrai, hein. Enfin, cette scène est trop chelou! Et Tango Gamer Production! Pépito, tu as vieilli un petit peu, ça se voit! C'est les trucs sous les yeux, les putains de rides sous les yeux qu'il avait pas avant! The Evil Weapon! Nous sommes 22. C'est un signe. Pourquoi beaucoup ce que je connais enlève sur ce jeu? Est-ce que c'est... Pas compris, Bilou. Où est-ce que je suis? Bonne question. Balle gauche pour sprinter, consomme de l'endurance. Oh, ce petit trou, Pépito, mais putain, mais tu as vieilli, hein. Alors...
Putain, mais j'ai pas le temps de parler dans le jeu. Laissez-moi parler. Oh, je... Il y a un truc devant moi, je... J'arrive, Lily. Lily! Mais qui t'a marché dessus? Mira, je sais que c'est difficile à accepter. Mais elle est partie. Notre petite fille est partie. Non. Je n'accepterai jamais ça. Ça, c'est si notre femme. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Qui est peut-être rentré dans le stem aussi, hein. Merde, c'est quoi cet endroit? Une question. C'est Disneyland! Inspecteur. Ah non. On a un appel. Ah si? Ah non, c'est le top psychiatrique Beacon. Eh, de loin, on aurait dit. Coucou Neko. Pépito se prend pour Jésus, il marche sur l'eau, c'est ça. Oui? C'est un téléphone, ça? Vous êtes sûr? Oh, c'est un talkie walkie. Mais t'es déjà rentré dans le stem, sois pas surpris comme ça. Allô? Sébastien, vous êtes là? Kidman? Qu'est-ce qui... Il a changé un peu, quand même. Vous êtes en un seul morceau. Il est pas moche, mais il est... Enfant du caniveau. Enfant du caniveau. Pardon. Quand je trouve que ça me fait rire, mais ça me fait. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein? D'accord. Alors où est ma famille? Ma famille. Un bureau au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. Interior Allons now. Vous nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel? Ça c'est inhabituel. Hein. Il y a des photos d'agents de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le STEM. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union. Cet environnement du STEM a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville appelée Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça? Quelqu'un en est capable, c'est bien vous. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations, vous devriez y jeter un œil. C'est un peu dommage parce que je suis déjà largué dès le début quand même. Chapitre de quelque chose cloche. Enfin, je suis largué au niveau de... Ouais. Distinction. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. C'est un peu vrai, d'une certaine manière. Pourquoi Kidman travaille pour Mobius? Qui c'est ce mec? Est-ce que c'est celui qu'on a tué déjà dans le DLC? Bon, après le reste, ça va, mais ça me perturbe un peu. Oh mon dieu, cette tronche! Avec tout le reste de la maison. On dirait le dessin dans Silent Hill 1. Oh putain, et ça, si c'est pas un putain de clin d'œil à Silent Hill, le dessin horrible, c'est marqué « C'est moi !» Et clairement... Oh, le chat est là, le petit chat! Je me rappelle pas avoir jamais eu de chat. Oh, bah, petit chat aux yeux rouges, hein, je précise. Oh, t'es chou! Il a l'air un peu amorphe, quand même. D'où sort ce souvenir? De mon école primaire. Moi aussi, j'ai un chat! Kiki! Au pied! Ok, elle s'en bat les couilles, elle est partie comme un cabri. Alors, relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil. On n'en trouve que dans les greniers et les brocantes. Elles peuvent être visionnées sur le projecteur de la salle. Ça marche bien. Je ne juge pas les dessins d'enfants, voyons. Déjà, chapitre 2, oui, c'est vrai. Oui, je viens de tilter, ouais. Chapitre 1 était court. Miaou. Oh, arrête de miauler, sinon je ne vais jamais vouloir partir. Oui. C'est moi! Y'a avec ça? Bon, bah, y'a avec ça, non? Kidman, vous êtes là? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné. En effet. J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. Ça, c'est pas très gentil. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je vous crois pas. Pourquoi est-ce que je mentirais? Pour me manipuler.
pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. C'est vrai. Je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Kina est une connasse, quand même. Vous comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traitées comme un fardeau. On s'en fout de ta vie ! Vous avoir aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez. Peut-être. Au moins, vous aviez des gens qui se souciaient de vous. C'est mon chat ou c'est le chat du jeu qu'on a entendu ? Ça doit être le chat du jeu. Oula, pardon, excusez-moi. Oui, tu es où? Ah, tu es là. Le gel vert, oh oui. On récupère le gel vert, particulièrement dégoûtant, il provient généralement des cadavres d'ennemis. Mais si vous le collectez, vous pourrez l'utiliser pour améliorer vos aptitudes. Merci, le chat. Oh oui, fais-moi un câlin. Est-ce que je peux l'emmener avec moi, s'il vous plaît? Oh oui, arrête de miauler, ça me donne envie de péter des câbles. Oula. Un miroir, comme un beacon. Ça doit être la sortie. Et pour le moment, ils veulent pas nous perdre, hein. Des portes normales dans mes souvenirs. Terminaux de sauvegarde. Vous pouvez utiliser des terminaux de sauvegarde pour enregistrer votre progression. À tout moment, ils se trouvent dans les planques ou dans la salle de savoir-faire. Ok. Là, c'est... marrant, comme système de sauvegarde, ça change. Très bien. Quelque chose cloche. Sauvegarde. Ah oh, oui, oui, oui. Petit chat. C'est pas bonne chance, s'il te plaît. Oh, on dirait vraiment qu'il est drogué, chat. Je suis désolé, mais... il m'a regardé comme ça, il a fait... Et oui, de l'autre côté du miroir, référence à Alice au pays des merveilles. Et oui. Quelque chose cloche. Sébastien pète dans le stem. Kinva lui conseille de trouver les membres de l'équipage de sauvetage disparu. Je n'ai pas le temps de finir de lire. Bordel de merde. Papa est là, putain! La tête de ma poupée est cassée. Mon idée est chou, j'avoue, elle est chou. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer. Pépito, une bande de Hollande, c'est ça. C'est du coup, sourire de nier. Maman a l'air coincée du cul quand même, hein. Elle a une tête de grand-mère, on dirait Minerva dans Harry Potter. Une femme incroyablement belle et intelligente. Mais pitons, tu transpires. Pourquoi ça n'irait pas? Viens là, Mira. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. Tu sais, tu viens un peu fou. T'es sûr que tu ne couvres pas quelque chose? La même tête que d'autres copines en Resident Evil 7. Ah non, elle est plus mignonne. Quoi. Pépito avait mal aux dents. Oula, cherchez pas. Hein. Je lui ai dit, vas-y, viens là, mon Pépito. Je vais te faire un bisou. Je sais pas où. Et tu verras, ça ira mieux. Oh, le jeu est fluide, le jeu est fluide, le jeu est beau en tout cas. Ils ont changé un petit peu l'interface, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui... Oh. Stylé, on aurait dit. Presque des cheveux. Moi, je pense que ça va être très compliqué de faire des défauts sur ce jeu, hein, parce que je suis tellement en mode extase, en mode « Oh, j'aime ce jeu, oh oui, le retour !» Bon, le seul truc qui me perturbe, c'est que ouais, Pépito a un peu changé de tête. Bon, c'est pas... Ouais, je sais pas. C'est... En fait, c'est au niveau du haut du visage. Je sais pas si vous voyez.
Ouais, je sais pas. Prenez une image du 1 et prenez. Regardez maintenant, c'est. On dirait qu'il a pris un coup de vieux de 20 ans, quoi. Ça fait bizarre. Mais bon. Le chat est armé. Est-ce que vous êtes dans l'ambiance? Allez, touche ma tralala. Il a fait la carte. Bon, je me fous de sa gueule, mais c'est parce que je l'aime bien. Je peux passer à travers cette porte. Oh, alors là, je suis déçu. Hein, c'est un tableau de ça, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Il se passe des trucs bizarres. Marquez quoi? William Baker. Bonjour! Oula! On se calme. La lumière. Putain de merde, faut que j'aille où? Mais non! Vas-y, Evelyn, je crois pas m'être perdu une fois, hein. C'est assez. Je m'en rappelle pas. C'est un peu normal, ça se passe 3 heures après. Ouais, mais son visage a vraiment changé quand même. Ça fait un peu bizarre. C'est pas grave, hein, c'est pas un défaut. Qu'est-ce hein. que c'est que ce bordel? C'est juste que ça me perturbe un peu. Alors, il y a un œil, il y a. The fuck? Un studio photo, Life is Strange. Bonjour. C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. C'est quand même grave stylé, hein, comme scène. Genre, il est dans un espèce de cube de plexiglas ou je sais pas quoi. Ok, on vient de m'enfermer. Avec la petite musique et tout, c'est quand même grave stylé. Et genre, on dirait qu'il est coincé dans une boucle temporelle. C'est assez grave stylé. Musique classique, ouais. Ça, c'est bien, ça. Ils nous font aimer la musique classique, c'est bien. Merde. Ouais, fallait peut-être pas aller dedans. Idée de merde, Pépito, idée de merde. Regardez, ça fait comme des pétards de rose. Monsieur, vous avez un trou à l'arrière de la tête. Je dis ça, je dis rien. Cette équipe, une balle pile entre les deux yeux. Cette scène est magnifique. Ok. Faut écouter des indices. Nous sommes inspecteurs. Ah merde, je suis sorti. Calme-toi, la musique. Il y a plein de statues de bestioles. Ah putain, mais c'est quoi ces tableaux? C'est horrible. Ah, alors là, je suis pas rassuré par contre. Pourquoi la musique elle s'est éteinte? Bon putain, ça m'a foutu les boules de le voir bouger. Je peux re-aller dedans, je regarde juste si j'ai pas oublié un truc. Bon, j'ai pas l'impression. Je pense que c'était juste pour faire ça. Enfin, je crois. J'ai un peu les boules, la musique qui s'est arrêtée. Un peu les boulettes. J'ai pas envie. Le jeu, en tout cas, a un certain cachet que j'aime beaucoup. Ou l'entrée. Et on remarquera, parce que ah, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il n'y a plus les bandes noires. Et c'est bien, et d'un côté c'est pas bien. Enfin, je comprends que le développeur, et ça allait un peu gaver, que tout le monde le fasse chier, en mode ah, les bandes noires c'est de la merde. Mais finalement ça a apporté quelque chose au jeu quand même. Ça apportait vraiment cette atmosphère vraiment oppressante. Et ça, c'était vraiment génial. Et le mec a eu des développeurs, a eu des sacrés brawls pour faire ça quand même. Et d'un côté, je suis contente qu'il n'y en ait pas, parce que bon, on voit un peu mieux le jeu, machin et tout. Mais d'un côté, c'est vrai que ça apportait un truc quand même. Voilà. Je sais que j'ai râlé un petit peu au début, les bandes noires. J'étais en mode what? Je comprends pas. Mais quand même. Une fois qu'on s'y fait, c'est bien. Photo de William Baker. Pris son pied. Le chef.
sais pas pourquoi ça fait. Le chef de l'équipe de sauvetage. Non, parce qu'en fait, on aurait dit. Il a mis un prix sans pire, on aurait dit qu'il allait faire une blague. Et en fait, non. Il était figé dans le temps lorsque j'ai découvert. C'est l'appareil juste à côté de lui qui a dû prendre cette photo, mais comment est-ce possible? Il n'y a rien derrière. Rebonjour. Attendez, il faut peut-être que j'examine l'appareil photo. Magnifique. Cette scène est belle, hein. Je suis désolée, mais elle est belle. Est-ce que si je suis là-dedans, je peux voir des trucs particuliers? Wouah! Il y avait ça avant? Ou c'est juste que je l'avais pas vu parce que c'est dérangeant? Ah oui, il y avait déjà, c'est juste que j'avais pas vu et du coup ça m'a fait super peur. D'accord. La fille, elle s'invente des trucs. Eh ben, tu peux pas juste pousser ça? Ah, si. Petit tour gratuit. Hein. C'est pas grave, vous voulez pas. Mais ouais, en tout cas, ce jeu a un certain cachet, une certaine... Graphiquement, bon, bah voilà, il ressemble à certains jeux, mais... Au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, au niveau de... Il y a un truc au niveau de l'ambiance qui fait que ce jeu a une atmosphère bien particulière que je kiffe réellement. J'aime pas ce mot, mais que j'adore, quoi. Et je suis contente qu'ils aient pas changé ça. The téléphone! Pour le moment, on retrouve pas mal de trucs qui nous rappellent le 1. Il y a quelqu'un. Putain. C'était pas Kidman quand même. C'est qui? Rubik. Parce que Rubik fait quand même partie intégrante de cette histoire. Si, enfin, je me doute que ça sera peut-être pas le méchant principal de cette histoire, parce que vous avez voulu peut-être mettre un autre méchant. Je comprends tout à fait, je ne vous en veux pas. Mais au moins, si on pouvait l'entrevoir, au moins qu'il passe un petit peu la tête comme ça, on va... Eh au moins le faire un petit, voilà, un petit clin d'œil, un petit... Ruru. Rendez-vous, notre Ruru. Le jeu est super beau, ouais. Ah mais moi quand j'ai joué au 1 je suis tombée amoureuse hein. Malgré que le jeu était quand même putain de dur et que j'en ai chié ma maman. En plus en vidéo c'est encore plus dur parce que vous êtes toute seule et tout quoi. Là en live je sais que si j'ai des problèmes vous pourrez me donner des conseils etc. Attends je fouille d'abord. Fallait peut-être pas que je fouille en fait. Hey, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Imagine, c'est vraiment Rubik l'ennemi. Malheureusement, je ne pense pas, mais ça serait cool. Moi, ça me ferait plaisir. Mais bon. Non, Rubik, il est pas mort. Non. Rubik, il est passé... Rubik, il est passé dans le corps du gamin, en fait. Si je dis pas de la merde. Ou il l'a possédé, enfin, je sais plus exactement ce que c'est le truc exact, mais en tout cas, voilà. Il est dans le gamin. Puis le blond, c'est l'albinos, là. Lettre extravagance à Candida. Félicitations, chercheur de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de connaissances suivant. Veuillez vous rendre au centre MU. Au centre MU, c'est quoi ça? Avec cette lettre pour passer de candidat en probation à fidèle de MU. Ok. Cette lettre vous accorde également une bonne place pour la prochaine cérémonie de purification. Note manuscrite au dos de l'enveloppe. Mensonge, rien que des mensonges. D'accord. Oh. And. Rand. Grain. Grain. C'est à quoi grain? J'en suis sûr qu'il y a plein de trucs cachés dans le jeu. Voilà. Leslie, voilà, c'est ça. C'est Leslie qui s'appelle. Ah bah, rends-nous. Mon petit pépito. Est-ce que tu veux faire des cookies avec moi? Ouh!
Attention. Tu es un peu trop vif, mon pépito. Moi, je trouve que... Hein, t'as pris... Oh, oh, putain. Excellent. C'était beau comme effet, je trouve. Des rideaux de partout. Ça me rappelle un certain épisode de Buffy. La fille qui regarde que la même série, quoi. Bonjour. Le mu. C'est qui? Ah, c'est notre pote. Comment il s'appelait, celui avec les lunettes? Non, c'est pas lui. Ouais, on a un mec. Oh. Merde. Oui, merdouille. Ouh. Oh, ça y est, le jeu commence. Oh, merde. Ça va être à couvert et sortir de couverture. Espace, maintenir. Ok, ok, ok. Se déplacer à couvert, ok. Ah non! Moi je préfère. Oh les boules! Là là, je suis un crapaud! Discrétion, Pépito, discrétion! Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Le mec m'a pas entendu, quoi? Lol. On doit être discret avec Pépito! Bum! Défonce la porte! En tout cas, ce mec avec sa espèce de mèche, son smoking, il se la joue BCBG. Hein. Si c'est lui le nouvel ennemi, bah putain, on est pas dans la merde! Et j'avais pas une lampe. Oh, sympa, sympa, sympa. Moi, je suis pas en mode, oh, c'est creepy, oh, j'ai peur. Je suis en mode, oh là, trop bien. On peut pas descendre par ici? Non. New. Oh, l'ambiance est dingue. L'ambiance est trop cool. L'ambiance est cool, et d'ailleurs, je vais augmenter un peu le son pour moi. Voilà. Oui, bah ça, c'était obligé. Bon, ça, c'était... Un petit peu trop attendu quand même. Bonjour. Vous avez emmené un cadavre par ici. Ça me déçoit beaucoup, vous voyez. Ça me contrarie, si vous saviez. Parce que je pensais m'en servir de ce cadavre. Donc... Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai plus de boudin de porte. Alors ça, c'est, ça me plaît moins comme bruit. J'ai plus de boudin de porte et ça m'aurait beaucoup servi. Une note. Ah non, c'est une photo. Photo d'une autre victime. Photo d'une autre victime du meurtre. C'est un uniforme de Mobius. Bien éclairé net, il semblerait qu'il ait reçu une balle dans la tête. Souris 2. Ah oui, je peux zoomer. Ouh, magnifique. Putain, mais c'est classe, quoi. C'est stylé. Y'a rien, hein. Bien faut le regarder, je pense qu'il y a plein de trucs cachés partout. Ma discrétion, je suis bouillard. C'est tellement ça. Oh, une petite animation où il se frotte le visage et tout. Frotte-toi le visage, mon petit pépito. Tu sais que ça m'excite quand tu fais ça. Oula, alors là, j'ai vu un truc, mais j'ai complètement halluciné. J'ai cru qu'il y avait l'œil de tout à l'heure, mais sur la porte. Mais merde, tout est fermé. Ah, ce n'est peut-être point par là. Bah du coup, on monte, hein, c'est ça. Oh, les boules, les boules, les boules, les boules. Petite tête, ok. C'est juste une petite tête, rassurez-vous, tout va bien. Oh, il n'y a pas de petite tête. Oh, là, l'ambiance est ouf. J'ai envie d'augmenter le son, mais le moment où il va y avoir un monstre, je vais me chier dessus. Mais attendez, il y a un truc. Parce que je vois une petite... Le jeu m'indique une petite flèche, alors ça me perturbe. Oh, le jeu est ouf. Ça me fait penser à plein de petites références de films, d'ambiance et tout. J'ai l'impression qu'ils ont... Ils sont inspirés de plein de trucs sympas. En tout cas, il a les mêmes pouvoirs que Rubik, hein. Je veux Rubik, ah, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Mais il a les mêmes pouvoirs que Rubik, hein, donc... c'est peut-être son petit frère. L'œil a bougé ou j'ai rêvé? Oh, la bouche, là, sale. Vous voyez, ça me fait grave penser à Silent Hill 3. Mais je pense que
Il y a des petites références de partout. Après, est-ce que c'est des clins d'œil? Est-ce qu'ils sont inspirés? Ou est-ce que c'est juste des coïncidences? Je ne sais pas, mais... Tout ça, ça me fait bien penser à Silent Hill 3 et à d'autres films aussi, dont j'ai oublié le nom. Mais c'est ouf comme ambiance. Oh là là! Oh là là! Alors ça me fait penser... Je suis chez dessus. À The Last Man. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé. Et c'est assez fou. Oh là là, avec des bouquets de fleurs à la place de la tête et tout. Waouh, mais c'est... Oh, mais c'est énorme! Putain! Alors c'est un monstre à plusieurs bras. Ou tout simplement... Enfin, pas forcément un monstre, c'est juste des corps en fait. C'est quelqu'un qui s'est amusé à faire une sculpture d'art avec des corps. Putain, mais c'est... Waouh, c'est ouf. Alors, c'est putain de glauque, c'est putain d'horrible, mais c'est putain de beau. Je suis désolé, mais... Est-ce que je peux rentrer dedans? Oh oui! Oh, c'est stylé. Bisous. Je mets la tête dans ton cul. Je sais pas si on peut faire un truc, par contre. Oh, regardez-moi ça, quoi. Oh, y a un ça, hein. Twitch ne me censure pas, YouTube non plus. Mais regardez, c'est... Putain, c'est ouf. Putain, la musique est ouf aussi, hein. Je vais trop m'extasier sur le jeu ce soir, ça va vous gaver. Ok. Musée d'art horrifique, c'est ça. Ah, l'ascenseur, ce n'est jamais une bonne idée. Ruben, où are you? C'est... Where are you? Non, j'ai voulu faire un truc avec Scooby-Doo, mais ça n'a pas bien marché, en fait. Allez, prends l'ascenseur, Pépicho. Le Zucada avec... Non, mais quand je dis que c'est beau... C'est fort, c'est grand. Voilà. C'est pas forcément beau visuellement, mais c'est... Voilà. Enfin, le beau a plusieurs définitions. Je vais pas vous faire chier avec ça ce soir. C'est un cours que j'ai étudié en art qui est très intéressant, mais le beau ne veut pas dire forcément que c'est beau, en fait. Bref. Qu'est-ce que le beau, au final? Je vais pas vous faire chier avec ça ce soir, sinon on a pas terminé. J'arrête tout de suite. Bon, je préfère l'ambiance de tout à l'heure. Là, là, j'aime moins. Oh. Mais, oui, ta gueule. Il m'a fait peur. Qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi? Je veux pas dire, mais elle a bougé la tête, elle, hein. Oh, les boules. Ah, il bouge, c'est ça, ouais, c'est bouge. Il bouge. Non, je changeais de place. Ah, mais c'est vraiment Life is Strange, mais façon vraiment crade, quoi. On découvre l'art tous ensemble, petit moignon. Oula, attendez, madame, je rentre dedans, pardon. C'est le photographe fou. Le photographe fou. L'artiste fou. C'est Life is Strange, les gens. Sympa, ce symbole. Bien sympathique. Mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait là? A-t-il un lien avec Rubik? Ça serait intéressant qu'il en ait un. Oh, il a pris une photo de moi. Merde. La tête que j'en ai. Pas de film sur lui. Non, mais je rigole. C'est quoi ça? Ah non. Non. Oh, j'étais en mode laissez-moi en cinématique. Oh non, quelle horreur. Putain, je veux pas. Elle me rattrape grave, non?
Elle est pas cool, elle est pas cool. Je suis pris au piège. L'appareil photo. De... Ah non, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Oh là, le stress. Ah, j'aime pas sa voix, j'aime pas sa voix. J'aime pas sa voix du tout. Bouge ton cul. Tortille du cul plus vite, mon petit pépito. Putain. Sinon, tu vas te transformer en burrito. Ah, j'avoue, elle était pas cool. J'ai pas eu le temps de l'examiner beaucoup, mais elle avait l'air d'avoir un énorme trou au niveau du bide. D'avoir... De... Pas cool, pas cool, pas cool. Recule, recule, recule. Elle avait l'air d'avoir 46 têtes aussi. La sœur de Rubik, non. Non, je crois pas, hein. Je crois pas. Non, la sœur de Rubik, en plus... Non, elle était en mode femme araignée. Non, non, je pense pas que ce soit elle. Bon, ça, là, ça serait bête qu'il l'ait réutilisé et qu'elle ait pas la même gueule. Ce serait chelou, en fait. Je pense pas que ce soit elle. Oh, je l'entends plus. Je l'entends plus. Mais elle va revenir. Arrête de nous faire des faux espoirs. Pourquoi il y a une petite flèche, là? Je comprends pas. Pourquoi il y a une petite flèche? Pourquoi? Regardez, là, il va falloir clairement que je me cache. Ah, bah, c'est peut-être les endroits où je peux me mettre à couvert, en fait. Ah, c'est peut-être ça. Ah, j'ai pas envie... C'est pas vrai. Oh, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, elle est dégueulasse. Allez, mais Pépito, mais bouche au cul. Pourquoi tu fais des petites foulées comme ça? Ah. Oh, Justin Bieber, il va se calmer, là. C'était prévu ou pas? Sois des maîtres. Ouf. Là, vous voyez, c'est des QTE, mais gentils. C'est pas des QTE chiants. Parce que je l'ai vu tard, mais j'y suis arrivé quand même. Ouais, où je peux me mettre à couvert? Ouais, merci, Warren. Qu'est-ce qui se passe? J'ai capté, mais après... Oh, une petite flèche. Multitête. Génération automatique de santé. Lorsque votre niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge. Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé sera partiellement régénérée. Elle sera régénérée plus rapidement si vous restez immobile. Donc essayez de trouver un endroit sûr pour vous cacher et reprendre des forces lorsque vous êtes dans cette situation critique. Ok. Bah, on va attendre. Bon, bah voilà. C'est bon. Ça va mieux. Ok, donc on a popé là. Donc ouais, on a vu un petit peu deux ennemis du jeu. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais. Ça a l'air sympa. J'ai raté l'action, mais bravo. Et c'est quoi cet endroit? J'adore ce double. Je veux t'épousser. Je veux t'époussiéter. Je veux t'épouser, Pépito. Épouse-moi. Yeah, journal de la maison abandonnée. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici, ce qui a été écrit en dernier. Je viens de recevoir l'appel. Maintenant, je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit, mais au moins, je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leur âme. Un fichier est ajouté. Appuyez sur tab. Waouh! Il y a trop de trucs. Fichier. Souvenir résiduel. Ok. Bon, ça, c'est les trucs que j'ai ramassés. J'ai quoi dans l'inventaire? Ah, mon couteau. Ah, j'ai un couteau. Oh, ah, bon, d'accord. Bonjour. Et là, on voit Freddy. Ah, bordel! La reine caniche. Je suis un petit caniche. Alors, ces bruits de porte et tout, bordel.
Bordel. C'est quoi ça? Seringue médicale. On ne connaît pas l'origine de la substance qui contient ces seringues de voyage, mais elle restaure modérément la santé. Ah oui. Souris 3, muradial. Ah oui, c'est comme avant. J'aime bien ce menu. Je le trouve assez bien foutu. Disons qu'il est simple à utiliser. Merde. T'étais où quand j'avais besoin de toi? Ça veut dire qu'on va tuer des gens. Ça veut dire qu'il va y avoir des monstres. Qu'on va devoir se défendre. Merde. C'est peut-être le bon endroit. Photo de la famille Casalas. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle a été prise. La laine de Lily sentait la barbe à papa. Et Mira n'avait jamais été aussi belle. Ah. Dans quoi je me suis embarqué? C'est un peu dégueulasse de dire la laine de ma fille sentait je sais pas quoi. Hein. Mais bon. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment. Ça m'arrange que tu m'aies perdu, Kidman. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Je n'aime pas ce personnage. Foutez-moi la peine. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Ah, il fait des choses. C'est un deuxième Beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué? Un deuxième Rubik. Pourquoi tu ne parles pas de Rubik? Nous avançons en aveugle. Becker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça. C'est la chance, Pac. Vous avez obtenu les objets suivants. Cool. Mais c'est parce que j'ai commandé... Parce que j'ai eu le jeu avant qu'il sorte, c'est ça? Enfin, avant qu'il sorte. J'ai acheté le jeu. Enfin, vous m'avez offert le jeu, pardon. Avant qu'il sorte, c'est ça? Pistolet semi-automatique, 50 poudres à canon, 100 pièces détachées. C'est quoi les pièces détachées? Une pièce détachée supérieure, une trousse de premier secours et 5 herbes. Eh ben, ça sera pas dans le fût, hein. Pistolet semi-automatique. Des rafales de 3 coups. Waouh. D'accord. Bah, c'est plutôt cool. Poudre à canon. Voilà, là, là, là. Oh putain, on peut utiliser... On peut fabriquer une mission carrément. Eh bah putain. Plus efficace qu'une seringue médicale, ok. Une plante naturelle. Dis donc, vous auriez pas copié sur les articules pour la plante quand même. Non. Les seringues et les petites gelées vertes, là, c'était bien. Pourquoi avoir ajouté de l'herbe? On n'avait pas besoin de que vous racoliez à la dentée vide. Le pauvre m'a abandonné là, à pourrir. Et moi, je m'en bats les couilles, frère. Voilà, mais regardez, ils ont même designé tous les objets qu'il y a dans sa voiture et tout. Mais putain, mais ce jeu... Putain, le jeu est beau! Ne vous inquiétez pas, Sébastien. C'est une petite ville tranquille. C'est ce qu'on m'avait dit. Un peu trop tranquille. Ouais. Manger. Elle a dit manger. Elle a dû m'entendre. Je ferais mieux d'aller voir. Pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien qu'elle va te bouffer les bras. Ou autre chose. Bonne nuit, coco, des bisous. Y'a quelqu'un? Oula, les textures mettent un peu de temps à parler. Ah. Ah, ça donne envie de vomir. Et voilà. Oh la vache. Oh la violence. Oh. C'était crade et très violent. Je me demande si j'aurais... Oh.
tire à ma place, s'il te plaît, parce que moi, je suis un peu nul. Oh, merde. Pépito. Putain, cette scène était ultra violente, quoi. Ah, c'était bien, hein, mais... Enfin, c'était bien. Vous comprenez quand je dis ça, c'est pas que j'aime la violence, c'est juste que dans un jeu comme ça, une scène comme ça, c'est super. Oh, bordel. C'est quoi, c'est des serpents? Oh, ça m'avait manqué de faire ça, putain. Kidman. Vous avez fait vite. Vous avez du nouveau. Ouais, j'ai appris que c'était vraiment comme ça, un nouveau beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, elle a la classe. J'en sais rien. Oh putain, Pépito. Ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. C'est chaud. Pépito, tu me donnes chaud. Ça va, Kidman. Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Finissez toujours vos épinards, sinon... sinon vous allez me faire éclater la gueule par la maîtresse, c'est ça. Ah mais j'avoue, la scène avec le gosse, ah là là, c'est violence. Ok, dans le doute. Ah, sale. Ouais, non, franchement, c'était... Waouh. Waouh. Oh, mais y'a un truc. Non. Y'a un truc, là. Une espèce de carré blanc. C'est normal ou pas? Je sais pas, y'avait pas déjà une scène comme ça dans le premier où j'avais dit exactement la même chose? Je crois que si, mais je suis pas sûr. Bon, bah, je m'en vais. Ok. Eh ben allons-nous-en. Ouais, je me demande si j'aurais pas dû passer le stream en mode 18 ans quand même. Je sais pas. Oula. C'était quoi ça par contre? Ah d'accord, vous pouvez vous cacher dans les fourrés. Oh, c'est bien, un changement de couleur de votre corps indique que vous êtes caché. J'ai cru que c'était un bug du jeu, j'ai eu peur. Ah, cool, on peut se cacher. Mais nous, on se cache pas. Nous, on pète la gueule à tout le monde. N'est-ce pas, Pépito? Attaque au corps à corps. Oui. Ah, je peux péter les caisses. Bam. Calme-toi. C'est vrai que c'est quand même gore. Ouais, c'est pour ça, ouais, je sais pas. Bah, et alors, elle se pète pas celle-là? What the fuck? C'est pas la même caisse, je peux pas la péter? Bon. Bon. Pas très logique ça, mais bon. Oh oui! Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Pépito, on est dans la voiture, on monte pas dessus. Non, putain, je pensais qu'il allait rentrer dedans, moi. Le mec complètement teubé. Pépito, on monte dans la voiture. Le dieu monte sur la voiture, quoi. Pardon. Ouais, c'est assez cool, quand même. C'est-à-dire, s'il y a des monstres, on peut se mettre en hauteur. Ça, c'est vraiment stylé, par contre. C'est trop cool. Bon, par contre... Par contre, je suis dans le regret de vous dire qu'on peut pas monter. Il sait pas juste ouvrir. Ouvrir la portière et aller dedans, c'est trop compliqué. Welcome to Union. We are glad you're here. Mage gauche pour sprinter. Ouais, t'inquiète. Quoi encore? Ah, il y a des... Ouais, il y a des padam padam. Attends, je peux monter ici? Est-ce qu'il y a un truc? Je veux fouiller tout le jeu. Je veux fouiller... Ah merde, y'a rien. Oh. Ah mais j'ai envie d'aller par là et tout, de tout fouiller.
Le jeu nous laisse nous balader un petit peu. Passons à travers la forêt, tiens, d'ailleurs. Passer par la route. Ah non, on peut pas aller par là. Merde. Quoi qu'on pourra peut-être monter sur les voitures. Ah oui, il y a du peuple. Oh la vache! Il y a encore des agents qui sont vivants! O'Neill, bouge! Alors ouais. Pardonnez-moi, c'est pas le jeu qui est moche, c'est juste c'est dommage, c'est les textures qui mettent un peu de temps à apparaître, je pense que c'est à cause de mon PC. Bon, au moins le jeu ne rame pas du tout, il est hyper fluide, mais du coup, les textures mettent un peu de temps à apparaître. On va aller comme as you! Mais moi, je monte sur la voiture! Mais... Pardon, comment j'ai fait pour tomber là? M'explique? Mais qu'est-ce que tu fais, Pépito? Mais attends, mais y'a un bug! C'est quoi ça? Voilà. Ah, mais elle pousse la voiture! D'accord, j'avais pas compris. Attends, deux secondes! je crois qu'ils m'ont dit des touches pour la repousser. J'ai pas compris les touches. J'ai déjà mis sur toutes les touches sur mon clavier. Elle va me voir là. J'ai pas pu la tuer! Ça ressemblait au claqueur de The Last of Us. Ouais, j'avoue. The Marinko. D'accord. Niveau d'alerte. Ok, d'accord. Oh. Monsieur se trompait de bouton. Je suis hyper discrète. Prenez la discrétion. De quoi que t'as pas vu? Oh oui, c'est bon, les attaques furtives. Merde. Ah. Non mais arrête, tu vas faire du bruit. T'as fait un petit peu de bruit. Putain, il le fait tout seul, c'est beau. Ouais, j'ai tapé dans la voiture, j'ai pas fait exprès. J'espère que ça tiendra. Bah j'espère aussi. Donc moi je préfère le bourrinage quand même que... Hein. Comment dire, je me suis un peu chié dessus là. Ils vont pas rentrer au bout d'un moment quand même. J'ai le temps de fouiller un petit peu. Parce que moi j'aime bien fouiller. Je suis méga concentré. Oh mais chut. Merde. Putain, il me stresse. Je suis limité là dans le temps ou pas? La petite bague de fiançailles qui n'a jamais enlevé. Arrêtez, n'approchez pas. Calme-toi. Okay. Calmez-vous. Tu vois bien que j'ai pas une tête de... Tirez pas. Je sais pas quoi là. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez? Vous pouvez baisser votre arme.
Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Tandis. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Ils ont pris ma fille. C'est qui m'a envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors? Ce qu'elles peuvent faire? Calme-toi, mec, calme-toi. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. Coucou, Asiyu. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Il a une tire en fin du jeu. Union, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. C'est donc pas servir d'une arme. L'arrêter. Eh oui. Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Oh, j'en étais sûr. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Castellanos. Alias Pepitos. Burritos Lochos. Liam O'Neill. Liam O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius. Je peux pas faire de blague dessus. Ils ont quand même envoyé ici. Pourquoi? J'essaie de retrouver... Oh, le jeu est J'essaie beau. De restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment? Bonne chance alors. Quel homme c'est Sébastien. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici. On va pas se trimballer. Oh, ça peut être drôle. Vous pouvez m'aider. Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, ça y est, faire une croix dessus. Ça y est, tant que c'est pas Ashley, tout va bien. Alors, vous pigez. Ouais, mais pas bien avec moi, peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Oh, j'ai froid. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille. Pas vrai? Silence. Ta gueule. C'est que Neil. C'était elle. T'as dit 42 fois que le jeu était où? Ah oui, pardon. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Le jeu est beau, mais il y a un petit défaut. Synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Wouah, je peux lui parler et tout. Ouais, ça fait beaucoup plus... Vous savez, on a l'impression d'être dans Mass Effect et tout. On peut parler et tout. Ça se voit que c'est pas des cinématiques... Je sais pas comment expliquer... En fait, ça se voit que c'est des cinématiques où ils ont incorporé le décor et les deux personnages comme ça, mais les deux modèles de personnages sans forcément d'expression de visage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait un peu bizarre. Mais bon. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Oui, on dirait qu'ils s'en foutent, c'est bizarre. À peine quelques heures. Mais merde. J'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. Mais non, là, c'était pas c'est comme quoi, ça. C'est l'émetteur de champ stable? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Ça fait plus cinématique dans le jeu que cinématique spéciale fait pour une occasion spéciale. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire un peu, Siona, c'est bizarre. C'est... Ouais. Dans le 1, il n'y avait pas ça, hein. Vous étiez 5 dans votre équipe. Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est 5 dans l'équipe. Regarde, ça fait au moins 5 fois qu'il fait ça, je... Attendez. Vous avez dit étiez. J'ai trouvé Baker. Ils ont aucune... Il est mort. Expression faciale, pas quoi. Étonnant. Il avait trouvé un ça, ça fait au moins 3 fois qu'il le fait aussi. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre le résultat. Et pas dramatique, mais c'est dommage. Chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il
fallait toujours qu'ils jouent les héros. Vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Cinématique de RPG, ouais, non, c'est ça, voilà. C'est ça que je voulais dire à peu près. La prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez, je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Pardon. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Du matériel dans le coin. Oh là, mais ça fait bizarre. On va pas avoir un jeu linéaire? Moi, je voulais un jeu linéaire comme le 1. C'était très bien. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes ou du matériel? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon, je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le. Cinématiques sont pas précalculées, ouais, mais c'est dommage. Dans le 1, franchement, toutes les cinématiques étaient faites de A à Z, quoi, tu vois. Et là, c'est... Début de la mission, signal rebelle. Waouh, on a des missions et tout. Off. Je préfère ma petite histoire linéaire. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici? Ça devient long, ils vont faire un peu clair. C'est sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible. Mais qui dit Mobius, dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu? C'est pas mal le bordel là-dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile. C'est un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit... C'est tellement pas naturel. J'en peux plus. Faites gaffe. Pourquoi vous avez fait ça? Oh la flûte, pardon. Excusez-moi. Bon, j'ai une sauvegarde. On va pas tarder à faire une petite pause inette. Parce que je commence à avoir froid, faut que j'aille fermer la fenêtre là. Parce que les chats ils veulent sortir, mais bon. C'est une mission optionnelle, Nao, t'es pas obligé. Ok, ok. Non, non, mais je râle pas ni rien, je me méfie là, je suis en mode merde, ils ont changé des trucs, j'ai peur. Voilà. Mais j'ai rien dit de méchant. Bon, à part là, ouais, la fausse cinématique, ça fait un peu dégueulasse quand même. C'est drôle, mais ça fait un peu dégueulasse, c'est dommage, c'est un peu dommage. C'est pas dramatique, mais c'est un peu dommage. Cafetière. Boire du café restaurera la totalité de votre santé. Les cafetières préparent automatiquement une nouvelle tournée de café après utilisation. Mais cela nécessitera un certain temps. Et mais oui, comment le sait le café? C'est génial le café. Le café, c'est la vie. Fais du café. Ça détend. Ça détend. Moi je vais aller dodo, je suis crevé. Pas de soucis, Mathis, t'inquiète pas. Oui, bah, prends les munitions, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors on peut faire une mission établie. Oh là là, il y a trop de trucs. Fabriquer une mission, des objets, des composants, un mur et des armes avec des pièces détachées. Bon, peut-être pas tout de suite, de toute façon, non? La fausse cinématique. Bravo, Black is Nice. Je valide cette blague. Elle vaut autre chose que du thé hérétique. Ah oui, le café, oui. J'aime les deux. Fabrication, amélioration d'armes. Fabrication, je peux fabriquer des balles et pistolets. Ok. Ah, oh, d'accord. Oh, c'était compliqué. Ok. Sélectionnez l'icône de fabrication sur le terrain depuis le menu arsenal pour évoquer des objets sans utiliser établi. Waouh! Consomme plus de ressources qu'un établi ne permet pas d'améliorer vos armes. Ok. Ah, c'est pas mal. Si vraiment on n'a plus de munitions, on peut faire ça, quoi. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok.
Le craft va être relou. C'est vrai qu'il n'y en avait pas dans le 1. J'avoue que c'était pas obligé d'en mettre, hein. Mais c'est notre infirmière adorée! C'était qui? Oui! C'est la même musique d'ailleurs, non? Mais oui! Nous sommes de retour dans le 1. Salle de Sébastien. Ah bon, on est juste retourné ici. Mais c'est marrant, tiens. Pourquoi c'est encore elle? D'ailleurs, elle, c'était qui déjà? Je me rappelle même plus, putain, ça craint. Je vais avoir le droit à des bonbons si je vous suis, madame, ou Ah oui, j'aime cette machine! Oui! Pourquoi je gueule, je sais pas. Pas de yo. Ah bah ouais, carrément. Ce bordel. Hey, laissez-moi sortir. Mais tu te rappelles pas de cette fille? Tu te rappelles pas de cette salle? Tu te rappelles pas de cette... Castellanos, quelle bonne surprise. Tu te rappelles pas de cette machine? Encore vous? Ah, quand même. Qu'est-ce que vous faites là? Pitou! Je pourrais vous retourner la question. J'ai froid, on va faire une pause. En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. T'as vu, il a vieilli, hein? Fatigué, inspecteur. Ah, on est d'accord. Vous remettre la plombe si vous voulez. C'est quoi cette proposition indécente? Vous savez? Elle m'a touché le biscuit! Comme avant. Calme-toi. Alors, on peut... Ah oui, avec le gel vert, c'est vrai. La santé. Ah, qu'est-ce qu'on améliore en premier? La santé, l'agilité. Mais je peux rien faire, en fait. Merdouille. Je peux lui parler. Cet endroit, vous, c'est comme Beacon. Il n'y a pas... Mais ce n'est pas Beacon. Il y a même les casiers sur la gauche. Ouais, j'ai vu. Ah bon? Ça me paraît familier, pourtant. Ces murs, cette chaise, vous... Mmh. Pour moi, c'est comme si rien n'avait changé. C'est bizarre. Et le stem reste le stem, non? Qu'est-ce que c'est, le stem de... J'aurais peut-être dû quand même refaire un peu le 1, de mon côté au moins. Parce que j'avoue que je suis un peu perdu. Je sais que mon bureau est relaxant, mais ce n'est pas un endroit pour traîner. J'ai pas le droit à ma gâterie, du coup. Non, je m'en vais.